Ici au Hammam Baden, le hammam le plus grand et le plus moderne de Suisse, vous découvrirez le repos et la détente les plus parfaits. Kamekan, la zone de repos. Katia Faust, qui dirige le hammam, est à côté de moi. Katia Faust, pouvez-vous nous dire d'où vient le mot hammam ? Hammam est le nom donné à une très ancienne culture orientale du bain, qui est utilisée chez nous en guise de wellness et de détente. Quels sont les différents domaines du hammam ? Le hammam est réparti en deux bains de vapeur, deux espaces de gommage, la piscine, le banc de pierre, le massage à la mousse de savon, le massage à l'huile, l'espace rasoul et le kamekan, qui est la zone de repos. Quelle est la particularité du hammam ? La particularité du hammam, c'est que l'on plonge dans un autre monde, le calme, la détente et le repos. Quelles sont les règles à observer par les personnes qui vont au hammam ? Eh bien, chez nous, on porte le pestemal sous lequel on est nu. Et puis, ce qui est aussi très important au hammam, il s'agit d'un lieu de calme et de silence. Il faut être silencieux afin de pouvoir se détendre. Accordez-vous du bon temps et venez profiter des bains traditionnels orientaux au Hammam Baden. Pour City Guide, l'oasis de repos, Sonia Valero.